Disco. Eh bien, salut à tous les amis, c'est la Fire. Deuxième tentative de la vidéo parce que on a eu des petits doutes sur les informations, mais finalement, non, là j'ai vérifié et finalement c'est bon. Donc, cette vidéo s'intitule Comment avoir le 4K du Park Ranger. Donc, attention les gars, pas dans le garage, hein. J'en connais, ils vont encore râler, ils vont dire ah, est-ce qu'on peut mettre ça dans le garage ou pas encore? Eh ben non, ok, ça sera juste pour les roleplays. Après, quand vous auriez le Park Ranger, le 4K garde forestier. Et bah vous pouvez faire des RP et tout. Et après cela, et bah si jamais dans un roleplay vous l'abîmez, bah je vais encore et encore refaire la technique pour réparer n'importe quel véhicule. Je dis bien n'importe lequel. Donc pour pouvoir réparer le véhicule du Park Ranger, ok. Donc le fameux Park Ranger, donc le véhicule du garde forestier spawn à peu près de 7h à 11h les gars. Donc là il est 7h30, donc on a encore un peu de temps pour l'avoir, un peu beaucoup même. Donc il spawn dans ces alentours là, si je dis pas de conneries, pas sur la troisième route, ni là, c'est vraiment sur ces deux routes là, dans ce secteur, donc du pont jusqu'à à peu près là bas donc là vous pouvez le voir, y a rien très clairement, donc y a rien. C'est pas du mytho, hein, donc quittez pas la vidéo, c'est juste qu'il met un peu de temps à spawn, au moins, tu vois, on est sûr de... Voilà, voilà. Maintenant, tu l'as trouvé. Il met un peu de temps. Peut-être qu'il faut qu'on s'éloigne et qu'on revienne, je ne sais pas. Ouais, sûrement. Ouais, y a fort moyen. Donc on va faire un petit détour. Je vais embarquer Benoît avec moi, parce que si on a deux vies... Ah, bah voilà. Les gars, la preuve que j'ai pas dit de conneries, Benoît il est là, et il y a un Park Ranger qui vient de spawn les gars, il est juste là, juste ici. Voilà, t'as raté quelque chose, il est en face de toi. Donc oui, je me suis fait ma propre tenue, regarde la madame, elle a quasiment la même tenue que moi, ZB. Non, toi tu te relèves pas, malade. Hein? Malade. Donc, regardez, j'ai à peu près la même tenue, j'ai essayé de la faire... à peu près pareil. Benoît, tu confirmes ou pas que c'est à peu près la même tenue? Maintenant que tu vois ma tenue à côté. Tu confirmes? Regarde, où est-ce qu'elles sont les radios et tout et tout. Vas-y, je te laisse regarder. Alors. Ai-je la confirmation de Benoît sur... la tenue Park Ranger. Benoît, tu pars? Il te manque le grade ici là. Oui, mais ça, le grade, on peut pas l'avoir. Mais j'ai le grade 6, à peu près pareil. Sinon, en termes de radio, tout ça, c'est à peu près pas, c'est à peu près bon. Oui, sinon c'est bon, mais le chapeau, il est pas ondulé. Oui, bah le chapeau, on peut pas l'acheter. Mais sinon, c'est à peu près les mêmes couleurs, c'est presque pareil. Version masculin. Donc les gars, on va monter dans ce fameux Park Ranger. Donc vous voyez, il est 8h43 heure GTA, attention, heure GTA, parce que j'en connais des fois, ils sont un peu cons, tu vois, on sait jamais. Donc de 7h heure GTA jusqu'à 11h heure GTA, il peut spawn dans les alentours. Donc je redis, les alentours c'est ici là. Donc vous voyez, j'ai pas dit de conneries, le pont et tout, bon il a spawn un peu plus loin mais c'est pas grave. Donc si jamais il ne spawn toujours pas, comme moi, vous faites un détour, vous quittez la zone vers le pont machin. Après faut surtout pas réavoir la visuelle. Donc en gros vous regardez vers la mer quand vous allez vers le pont, après vous revenez et vous recheckez les routes. Si ça fonctionne pas, vous refaites. Bon voilà, donc vous avez jusqu'à 11h heure GTA. Donc là les gars, on a le Park Ranger. Donc Benoît, tu... il est où? Bon, il fait sa pause pipé. Nous, on va aller faire la suite du glitch. Donc, si jamais vous l'avez abîmé lors de la prise d'otage, on va appeler ça comme ça, lors de du vol du véhicule, je vais vous dire une manipulation très simple. Donc, franchement, pour réparer les véhicules de la LSPD ou d'ambulancier ou tout ce que vous voulez. Donc Benoît vient de revenir, il a fini sa pause pipi dans les sapins apparemment. Donc les gars, on va faire longtemps pavé tactile. On va aller en bas, on va aller dans masquer. Wow.
masquer icône, donc c'est juste ici, vous allez appuyer sur croix, ensuite vous allez aller dans activité, ensuite vous allez aller dans, là c'est marqué masquer, donc vous faites une fois flèche de gauche ou flèche de droite, c'est pareil. Donc, petite précision que je viens d'avoir, machin. Donc il faudra aller dans une activité quand vous n'aurez pas les flics, parce que quand vous avez les flics vous voyez pas les activités au sol, et quand vous êtes en guerre commerciale vous les voyez pas non plus logiquement. Donc si vous êtes en guerre commerciale faudra tout simplement tout masquer, donc là c'est marqué personnalisé, là pareil faudra tout masquer. En gros, vous appuyez une fois sur flèche de gauche tout en haut. Et voilà. Donc ensuite, une fois que tout sera affiché en bleu, donc vous allez vous situer près d'une route. Attention, près d'une route. Parce que si vous êtes pas près d'une route, par exemple là sur une île chelou, et bah quand vous allez faire la méthode, le véhicule va spawn. On sait pas où en fait. On sait pas où il va spawn parce qu'il va spawn dans le trou du cul du monde. Donc on ne le saura pas. Donc moi je conseille vraiment près des routes, donc comme ceci. Ensuite vous allez attendre que le dessin il spawn. Voilà. Donc maintenant qu'il a spawn, on va allumer les phares, sauf si on a plus, on se repère avec le pot d'échappement. Vous regardez s'il y a la fumée qui sort ou pas. Donc là on va rentrer dans le cercle. Il faut qu'il y ait personne à proximité. Au moins d'un kilomètre. Par exemple Benoît tu peux bouger, hein. Il faut plus que je te vois sur la map, donc tu peux faire un petit demi-tour, s'il te plaît. Va t'amuser dans les montagnes. Je te vois là, hein, près des rails. Ah, ma bonne est cassée. On a vu un petit moustique passer. Donc, là, vous avez soit les phares pour vous repérer, soit le pot d'échappement, comme je l'ai dit. Il est très joli, hein, ce 4x4, avec un petit treuil et tout. Vraiment Park Ranger avec les gyrophares. Oh, il y a un train. Bon, on va pas s'attarder trop longtemps là-dessus. Donc là... les phares sont éteints, le pot d'échappement ne fonctionne pas, donc ça veut dire que le véhicule n'est plus fonctionnel, c'est pas qu'il est plus fonctionnel, pardon, c'est qu'il est éteint, tout simplement. Alors, en faisant ce glitch, vous allez appuyer sur flèche de droite dans le cercle, attention. En faisant ce glitch, précision, les vitres teintées ne seront plus teintées à la fin quand il sera réparé. Donc là, la preuve qu'elle sera plus teintée. Donc là, une fois qu'on a rejoint l'activité, on va la quitter, tout simplement. Et ensuite, on va vite repartir dans le cercle bleu, vite, 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 voilà, comme ça. Et on va faire 3 tours, voire 2. En gros, vous marchez comme ça. Faut pas courir, les gars, sinon il va pas spawn. Donc on va rester comme ça. Ah, il est là-bas, voilà. Donc à partir de 2 tours. Donc là, on va enlever les activités parce que c'est chiant sur la map, avoir tout le temps ça. Et voilà, donc la preuve qu'il est réparé. Il est propre. Bon, des fois, il est un peu sale, mais c'est pas grave. Et les vitres ne sont plus teintées. Si vous voulez que je recommence, regardez, hein. Si vous voulez, je recommence pour bien vous montrer que ça répare le véhicule. Là, regardez, je le défonce bien comme il faut, là, ZB. Voilà, donc là on va recommencer. Si vous n'êtes pas convaincu que ça répare le véhicule, même on va faire quelque chose. Voilà. Voilà. Donc là vous voyez, il est déglingué ZB. Donc là on va appeler Lester parce que regardez, preuve, voilà, encore une fois. Les activités ne sont pas marquées au sol, par contre, enfin elles sont pas marquées sur la map, mais par contre elles sont marquées au sol. Donc là on va rentrer. Donc là vous pouvez voir que machin. Benoît, tu peux t'écarter s'il te plaît. Bon, que je puisse réparer. Sur le toit. Il a fait le pigeon, apparemment. Donc, voilà. Donc là, on va se situer. Les phares éteints. Pot d'échappement plus fonctionnel. Benoît, tu dois quitter cette zone. On dirait que je suis un flic. Oh, par contre, non. Eh, pas les flics, là. Hein. Malade. Non, par contre, si... Ah ouais. Je me disais bien, s'ils me voyaient pas, c'était bizarre. Ah bah, regardez. Why, hello, how you Ils doing? Vont encore plus tirer sur le machin. Okay, so you're in serious trouble and you okay, need my help. Benoît s'est éloigné. Okay, là, okay. Je relance l'activité et je vais ressortir par la suite. Ensuite, je refais les 2 tours du cercle sans courir, bien évidemment, et sans sauter. Je précise pour les cons, tout simplement. Donc là, vite, on re-rentre dans le cercle. On refait les 3 tours. 3 tours, c'est long quand même. Hein. Les 2 tours plutôt. Voilà. Et hop là, il respawn, attention mesdames et messieurs, aujourd'hui sur Chéri FM, nous pouvons voir que le véhicule est totalement réparé, waouh. Et maintenant, si vous voulez avoir la tenue présente,
du garde forestier pour les roleplays ou ce que vous voulez. En version féminin aussi. Et ça, c'est le truc avec le braquage casino et sans le braquage casino, si vous voulez, je ferai. Mais en tout cas, marquez ça dans les commentaires. Sinon, je vous dis que cela est une fin de vidéo. Donc, si ça t'a plu, n'oublie pas de liker et stop les insultes dans les commentaires, ok? Donc, si vous êtes pas content, vous dégagez de la chaîne. Non, c'est pas vrai. Laissez rester quand même. Mais donc, les gars, bientôt les deux. Abonnés, mais regardez. si cette vidéo vous a fait kiffer, ainsi que le reste des de la liste des vidéos tuto comment avoir véhicule machin pas dans le garage, je précise. Donc si cela vous aura plu, n'hésitez pas à suivre les autres vidéos. Benoît est passé comme Flash, mais on s'en bat les reins. Donc du coup, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche, et ainsi que suivre toutes les autres vidéos de la chaîne. Il y a aussi le concert de Travis Scott qui est sorti sur ma chaîne, donc n'oubliez pas de checker la chaîne. Hein. C'est la Yann Boyer aussi. Donc, vas-y, Yann Boyer, dis c'est quoi ta chaîne? Yann Boyer tiré du bas off. Voilà, donc Yann Boyer tiré du bas off. Donc, je vais mettre le pseudo à l'écran. Donc, n'oubliez pas, du coup, de suivre les vidéos. Sinon, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!